Yerg à tous, moisis sur rampante, je suis Quark pour vous servir. Et aujourd'hui, je vais vous prouver que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, car cette dernière n'existerait pas. Il s'agirait en réalité d'un mirage dû à l'angle d'incidence de la lumière sur la magnétosphère. Alors, welcome to my Cilliums. Au début du précédent épisode, il s'agit là de la deuxième partie consacrée à la croyance. Et aujourd'hui, nous allons parler des ennemis jurés des zététiciens. Je veux bien sûr parler des sectes. Les insectes forment la classe des Insecta dans le sous-embranchement des hexapodes, lui-même inclus dans l'embranchement des arthropodes. Sectes, et plus précisément, des mouvements religieux et pseudo-religieux qui ont une démarche sectaire. Avant de commencer, je tiens à signaler qu'il existe une version longue de cet épisode, et c'est ici que ça se passe. En effet, voyant les proportions que prenait l'épisode, j'ai décidé de couper certains passages. Si vous souhaitez voir la différence une fois que vous aurez vu cet épisode court, sachez qu'il existe des liens qui vous permettront de sauter de passage en passage dans la version longue. Voilà, maintenant que c'est dit, revenons à notre épisode. On va s'arrêter deux secondes sur le mot secte. Je suis certain que vous avez déjà entendu ce mot, mais on oublie parfois de quoi il retourne. Une secte, c'est grave. L'association de défense de la famille et de l'individu victime de secte nous donne cette définition courte. C'est un groupe dans lequel on pratique une manipulation mentale qui entraîne l'endoctrinement, contrôle de la pensée, viol psychique, destruction de la personne et de la famille, voire de la société. Et il y a aussi celle de la commission parlementaire française d'enquête sur les sectes, qui est pas mal aussi. Eh bien, je t'en prie. Groupe visant par des manœuvres de déstabilisation psychologique à obtenir de leurs adeptes une allégeance inconditionnelle, une diminution de l'esprit critique, une rupture avec les références communément admises, éthiques, scientifiques, civiques ou éducatives, et entraînant des dangers pour les libertés individuelles, la santé, l'éducation, les institutions démocratiques. En effet, j'aime beaucoup. Vous comprenez pourquoi les zététiciens ne sont pas très copains avec les mouvements sectaires ? Ça ne vous aura pas échappé, mais j'aime remuer la fange, chercher la petite bête, le truc qui va pas. Et je vous incite à faire de même. C'est ça l'esprit de la zététique, se questionner et remettre en cause ce qui n'est pas suffisamment étayé, afin d'obtenir une meilleure compréhension de ce qui nous entoure, ou de faire le constat qu'on ne sait pas encore comment ça marche. Or là, on a mis le doigt sur ce qui fait mal. Pour arriver à ses fins, une secte cherche à obtenir de ses adeptes une diminution de leur esprit critique. Ce n'est pas une fin en soi, mais quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui peut remettre en cause l'autorité. Mais plutôt que de vous parler des sectes en règle générale, j'ai décidé de vous présenter quelques mouvements religieux à la limite du sectaire. Le détail fort intéressant avec ceux que j'ai choisis, c'est qu'ils essaient de prouver scientifiquement qu'ils ont raison. Or, la méthode scientifique, c'est quelque chose de vérifiable, alors vérifions ce qu'ils disent! La première dont je vais vous parler est la science chrétienne. Non, je déconne pas, il y a vraiment une religion... secte, qui se nomme très sérieusement la science chrétienne, ou selon les contrées, l'église du Christ scientiste. Tout un programme. Cette église, fondée en 1879 par Mary Baker Eddy, est encore en activité, et il est possible que certains de leurs adeptes regardent un jour cette vidéo. Si c'est votre cas, alors je vous salue, et je tiens à vous prévenir que les minutes qui vont suivre risquent de vous être pénibles. Mais dans le fond, pour des personnes qui suivent les enseignements de Jésus, j'ose espérer que vous respecterez ma conviction personnelle que 1. Vous racontez n'importe quoi, et 2. Sans aucune preuve. Entrons dans le vif du sujet. Vous allez voir que leurs arguments fleurent bon les sous-bois d'une forêt en automne. Je vous laisse savourer la prochaine citation. Si le christianisme n'est pas scientifique, et si la science ne vient pas de Dieu, alors il n'y a pas de loi invariable et la vérité n'est qu'un accident. Peut-on nier qu'un système qui agit selon les écritures est l'autorité de la Bible ? Elle est magnifique cette phrase, vous ne trouvez pas ? Rien que dans la première partie, on a au moins trois arguments moisis. Déjà, la première phrase repose sur la négation d'une implication non démontrée. Cette implication a pour but de mettre en place l'argument du non sequitur. Le problème, c'est qu'il est ici utilisé de façon tellement bancale qu'il est largement préférable qu'on le garde pour plus tard dans un contexte plus clair. L'argument suivant est un faux dilemme. Argument numéro 13, le faux dilemme. Méthode réduire abusivement le problème à deux choix pour conduire à une conclusion forcée. Exemple, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous.
On appelle ça aussi l'argument George W. Bush. Ici, les deux choix sont soit la science vient de Dieu, soit les lois de la physique n'existent pas. Or, il n'est pas nécessaire d'imposer un tel dilemme. La science peut très bien venir de toute autre chose que de Dieu, sans que pour autant l'univers soit chaotique. Et enfin, il y a une belle pente savonneuse, mais je me garde cet argument moisi pour le prochain épisode. Et la deuxième partie n'est autre qu'un raisonnement circulaire. Les écritures, ça fait référence à quoi ? À la Bible. Et agir selon quelque chose, c'est un peu synonyme de avoir l'autorité. Donc au final, un système qui a l'autorité de la Bible, a l'autorité de la Bible... Je vous l'avais dit que cette citation était magnifique, mais tout cela n'est plus très frais. Peut-être que les mentalités ont évolué depuis, et qui sait ? Allons sur le site officiel. Bonne nouvelle, il y a des pages rédigées en français, pas de risque d'erreur de traduction. Prenons-en une, et pas un obscur post rédigé par un extrémiste désavoué au fin fond d'un forum tortueux. Non, prenons cette petite FAQ, sobrement nommée « Qu'est-ce que la science chrétienne ?» On meurt d'envie d'en savoir plus. J'ai gardé les questions les plus intéressantes, et Max va vous citer les réponses. C'est très exactement ce qui est écrit sur leur site, sans aucune déformation de notre part. La science chrétienne est-elle une secte ? Non. C'est une religion basée sur la Bible, qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Elle est facile celle-là, hein. Personne n'ira écrire sur son site officiel « Oui, nous sommes une secte, mais vous verrez, quand vous y serez, vous n'aurez plus aucune envie d'en sortir ». Le seul fait que cette question soit assez souvent posée pour qu'elle mérite d'être présente dans cette FAQ est déjà très inquiétant en soi. Question suivante, allez-vous chez le médecin ? C'est à chacun d'en décider, mais il est normal de recourir à un traitement par la prière dans ce système de guérison chrétien. Système de guérison chrétien. Pour tout problème de santé, une solution unique, la prière. Oui, oui, pour tout problème de santé, et vous allez voir, ils vont super loin. Bien sûr, ils ne peuvent pas officiellement interdire d'aller chez le médecin. D'ailleurs, cette position a largement évolué dans le temps, et de nos jours, c'est leur dernière ligne de défense pour ne pas être accusé d'être une secte. Mais vous allez voir, ils sont vicieux. Le système de la science chrétienne, c'est que la maladie est une croyance erronée dont on guérit en priant. En d'autres termes, la science chrétienne et la médecine sont antagonistes, et quand je dis ça, j'exagère à peine. Regardez la question suivante. Pouvez-vous combiner la science chrétienne et les médicaments ? Cette méthode est basée sur le pouvoir absolu de l'esprit, Dieu. Un système basé sur le seul pouvoir de l'esprit ne peut, en général, être combiné avec des systèmes qui accordent un pouvoir à la matière et prescrivent, par exemple, des médicaments. Waouh ! Et que feriez-vous si vous aviez une fracture à la jambe ? Certains scientifiques demanderont à un chirurgien de réduire la fracture, mais beaucoup d'autres ont réduit des fractures et ressoudé des os uniquement par la prière. La vache, ça a l'air sérieux, tu veux pas que je t'emmène à l'hôpital ? Non, non, t'inquiète, je vais juste me faire des cataplasmes, avec des pages de la Bible, et demain ça ira mieux. En ce qui vous concerne, peut-on parler de guérison par la foi ? Non, ce n'est pas ce qu'on appelle généralement des guérisons par la foi, et il ne s'agit pas davantage de pensées positives ou d'auto-hypnose. Bien sûr, une méthode de guérison basée sur la Bible fait naturellement appel à la foi, mais en tant que science, elle requiert également de la compréhension et des preuves. Et quelle est l'efficacité de ce système ? Il est d'une efficacité remarquable depuis des générations. Il suffit pour s'en convaincre de lire les témoignages de guérison parus dans les récents numéros des périodiques de la science chrétienne. Ah, on arrive au cœur de notre sujet. Ça parle de preuves et d'efficacité. Sauf que ici, la preuve, eh bien, c'est un témoignage. Un témoignage écrit dans une revue scientifique très sérieuse, puisqu'il s'agit du périodique de la science chrétienne. Vous savez ce qui différencie Nature, VSD et Closer ? Eh bien c'est le comité de relecture. On a déjà parlé de la piètre capacité de l'être humain à être seul juge de lui-même. À cela s'ajoute qu'un périodique n'est pas forcément une revue sérieuse. Il ne suffit pas de rédiger quelque chose sur du papier pour que cela devienne parole d'évangile. Et c'est la force des revues scientifiques, c'est que les expériences qui y sont décrites peuvent être analysées et reproduites. Alors que là, allez donc reproduire un témoignage. De toute manière, si une religion a besoin de preuves pour convaincre ses croyants, c'est qu'il y a déjà un problème à la base. Et si on parlait de la suivante ? Tournons-nous maintenant vers la scientologie. Cet organisme a pour doctrine une civilisation, sans folie, sans criminels et sans guerre, dans laquelle les gens capables puissent prospérer et les gens honnêtes puissent avoir des droits, et dans laquelle l'homme soit libre d'atteindre les sommets les plus élevés. Avec une telle doctrine, je ne devrais normalement pas avoir à m'inquiéter de recevoir des messages d'intimidation de la part de la scientologie. En effet, je ne suis qu'une personne honnête, cherchant à prospérer. Commençons les présentations, qu'est-ce donc que la scientologie ?
La scientologie est une secte fondée par l'écrivain américain L. Ron Hubbard, né le 13 mars 1911 et décédé le 24 janvier 1986. En tant qu'auteur de science-fiction, son livre le plus connu est Battlefield Earth, mais il est surtout connu pour avoir publié des ouvrages sur la Dianétique. Qui, comme tout le monde le sait, est l'étude de la princesse Diana. Mais pas du tout, c'est complètement anachronique ce que tu racontes. Non, la Dianétique est la doctrine fondatrice de la scientologie, publiée pour la première fois dans l'ouvrage qui porte son nom. En effet, la Dianétique n'est autre que la théorie psychologique inventée par L. Ron Hubbard, mais qui n'a jamais été étayée par la moindre expérience scientifique rigoureuse. On peut même parler de pseudo-science à ce niveau. La Dianétique, telle que définie par Monsieur Hubbard, n'est autre qu'un fratras d'affirmations qu'aucune équipe de recherche indépendante n'a été en mesure de mettre en évidence. Il s'agit de la croyance que l'esprit de l'homme puisse être pollué par des sortes de pensées négatives et que cela puisse être mesuré au travers d'un test réalisé par une machine, tout ce qu'il y a de plus concret. Le E-mètre, pour électropsychomètre, est un appareil qui permet de mesurer la résistance électrique d'un sujet, auquel les scientologues attribuent un état mental particulier. Waouh, ça doit être un appareil drôlement sophistiqué, non? Non, en fait, c'est juste un espèce de ohmmètre analogique. Hein. Ouais, mais bon, enfin, un ohmmètre, ça fait pas tous les trucs machin dont il parle, là. Ah non, 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 un électropsychomètre, ça ne fait que mesurer une résistance. Au passage, très belle utilisation du RBL. Donc on a électro, qui signifie électricité, on a psycho, qui veut dire psychique ou psychologique, c'est au choix, et puis mètre pour mesure. Du coup, ça fait quoi? Ça mesure la résistance électrique psychique? Tout cela se passe pendant l'audition du sujet. Un scientologue pose des questions embarrassantes, et lorsque ces dernières troublent la personne, c'est qu'il y a un problème que la scientologie peut résoudre. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été démontré qu'il y ait le moindre rapport entre un problème de l'esprit et un hypothétique changement électrique. Et si je prends mon rasoir d'Occam, je peux formuler d'avance bien plus d'hypothèses beaucoup plus simples que celles impliquant l'existence de l'esprit. Bon, jusque-là, rien de grave me direz-vous. Mais au fait, savez-vous qu'il est recommandé aux adeptes de la scientologie de posséder leur propre ohmmètre amélioré, et que ce dernier coûte la bagatelle de 4000 euros. Pour info, un électronicien amateur peut fabriquer à peu près la même chose pour environ une dizaine d'euros. Mais je ne vous ai pas encore parlé des étapes. Car oui, les scientologues aspirent à progresser au travers de 8 grandes étapes. La première, c'est l'état clair, et la dernière n'est ni plus ni moins que l'immortalité. Rien que ça. Bien sûr, pour franchir chacune de ces étapes, il faut faire des stages, et ces stages ne sont pas gratuits. Malheureusement, sur le site officiel de la scientologie, je n'ai pas trouvé les tarifs. J'ai donc dû me baser sur les comptes rendus des ex-scientologues qui sont sortis de cette spirale infernale. Et je vous donne un petit aperçu. Quand même, hein? Alors, je veux bien croire que l'immortalité n'est pas quelque chose d'anodin, mais personne n'a jamais prouvé que l'homme pouvait vivre éternellement. De là à ce que cela justifie de telles dépenses, c'est marrant parce que cette question d'argent me rappelle quelque chose. On pourrait citer L. Ron Hubbard lui-même qui disait qu'on ne devient pas riche en écrivant de la science-fiction, que lui, s'il voulait devenir riche, il irait plutôt fonder une religion. Il a fait cette déclaration en 1948, lors d'une convention de science-fiction, et il l'a même répétée par la suite à plusieurs journaux et revues. Apparition de la scientologie, 1952, comme c'est bizarre, à croire qu'il avait prémédité son coup. On peut aussi noter que la première apparition de la Dianétique dans une publication remonte à 1950. On touche là au nerf de la guerre. D'une manière générale, c'est ce qui justifie l'existence même des sectes. Brasser de l'argent, beaucoup d'argent. D'ailleurs, il n'y a pas que l'électropsychomètre et les stages qui sont payants, il est aussi recommandé aux adeptes d'acquérir tous les ouvrages du prophète. Et il y en a aussi pour un paquet de fric. Mais avant de pouvoir vous vendre tout ça, il faut déjà convaincre, et c'est là que l'audition entre en jeu. Ce n'est pas utilisé seulement pendant la phase de recrutement, mais c'est le cœur même de la Dianétique. Pour vous aider à visualiser tout ça, imaginez qu'un scientologue, souriant, bien dans sa peau et heureux, vous pose des questions intimidantes et dérangeantes jusqu'à ce que vous vous sentiez bien comme une merde. Et quand vous commencez à vraiment vous sentir mal, la scientologie est là pour vous expliquer combien ils sont là pour vous aider à vous sentir mieux. Pour terminer, parlons d'une secte franco-française bien de chez nous. Je sais, il n'y a vraiment pas de quoi être fier, mais que voulez-vous? La folie des humains peut venir de partout. On va parler du mouvement raélien. Initié par Claude Vorillon, à l'époque même où son magazine Autopop sombra, il rencontra les Elohim, des extraterrestres qui vivaient à une année-lumière.
alors que l'étoile la plus proche de notre Soleil est Alpha du Centaure à 4 années-lumière, et qui lui présenteront Bouddha, Moïse et Mahomet, maintenus artificiellement en vie auprès de son demi-frère Jésus. Extraterrestre très dangereux, dirigé actuellement par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus. Non mais, tais-toi. 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 Il sera renommé Raël, ce qui signifie le messager, et sera investi d'une mission. Il devra propager la pensée des Elohim, qui n'est autre que seuls les individus les plus beaux, les plus intelligents et les plus riches devraient prospérer et diriger une société idéale. Sans oublier la carotte ultime qui n'est pas sans rappeler celle des scientologues, que l'humain peut vivre éternellement grâce au clonage et au transfert d'esprit. Les Elohim l'auraient prévenu que l'humanité prendrait fin lors d'une grande guerre nucléaire. Et ça tombe bien, c'est le sujet du prochain épisode, les fins du monde. Mais que les élites seraient sauvées lors de leur prochain retour sur Terre avant le désastre. C'est dans cette optique que Raël devait bâtir une ambassade et une piste d'atterrissage. Mais tout cela coûte cher, c'est pourquoi, bien que non obligatoire, il est recommandé de donner 3% de son salaire net. Et pour ceux qui souhaiteraient s'investir davantage dans les structures, afin par exemple de mériter d'être sauvé, il aurait demandé 7%. À cela s'ajoute 1% pour les loisirs de Raël, mais ça ne s'arrête pas là. En effet, durant les stages non obligatoires mais payants, il est affiché un tableau avec les meilleurs donateurs, afin par exemple d'inciter les autres à donner un peu plus. Et oui, il y a des stages, tout comme les nombreuses réunions hebdomadaires recommandées. Tout cela participe à un argument moisi que toutes les sectes ont en commun, l'argument de la noyade. Hein? L'argument de quoi? La noyade. Bah t'es gentil, mais celui-là fait pas partie de la liste. Quoi? Il est pas dans le... Attends. Et ouais, t'as raison, ouais, bah... Faut quand même en parler. Bon bah, je vais improviser un truc. Ouais. Argument numéro... Argument de la noyade. Méthode, dire et faire répéter une série de phrases simples jusqu'à ce que l'auditeur l'accepte comme étant vrai sans même y penser. Par exemple, les antibiotiques... C'est pas automatique. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le mouvement raélien. Les arguments scientifiques qu'ils avancent pour se donner une allure raisonnable s'apparentent davantage à de la science-fiction. Que ce soit pour les prétendues avancées technologiques des Elohim ou bien pour le clonage, dans tous les cas, ils n'ont jamais apporté aucune preuve. Quant à la fin du monde, eh bien, elle est prévue pour d'ici 2035. Pour info, Raël est né en 1946, ce qui lui fera 89 ans. D'ici là, il aura bien eu le temps de profiter de l'argent des abonnés. Car après tout, les Elohim sont une société vivant dans l'opulence. Il est donc bien normal que le gourou... Oh pardon, le messager vive de même, n'est-ce pas? D'une manière générale, n'espérez jamais être plus fort qu'une secte. Les mouvements sectaires disposent de puissantes techniques de manipulation et leurs cibles favorites sont les personnes qui se trouvent dans un moment difficile de leur vie, ce qui les rend particulièrement vulnérables. C'est cette faiblesse qu'ils recherchent pour gagner leur confiance en leur offrant une hypothétique solution magique. Tout est fait de telle sorte qu'on soit convaincu d'aller mieux, et cette conviction est directement associée à la fréquentation de la secte. Qu'on fréquente donc de plus en plus pour rechercher ce bonheur illusoire. Mais si vous allez déjà bien à la base, ils disposent aussi de méthodes qui leur permettront de vous convaincre que vous n'allez peut-être pas si bien que ça, alors inutile de faire le malin. Je l'ai déjà dit, mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal, le cerveau humain est faible face à qui sait le manipuler. Et si vous allez mal, ne faites pas confiance à un sourire Colgate qui vous promet que tout ira bien, comme par magie. Merci de venir cultiver votre esprit critique avec moi, ça me fait vraiment plaisir. J'aurais aimé parler un peu plus en détail de la scientologie et aborder un peu plus longuement le cas du mouvement raélien. Il y a certaines choses vraiment crades que je n'ai fait que effleurer, mais l'épisode est si long que j'ai déjà dû en faire deux versions. Et pour la peine, j'apprécierais énormément un petit like. Vous venez de finir la version courte, et si vous voulez voir la différence avec la version longue, c'est par ici que ça se passe. Vous pouvez aussi me poser vos questions, je me ferai toujours une joie d'y répondre, que ce soit en commentaire de vidéo ou bien sur les réseaux sociaux. En attendant, désinfectez vos arguments et gardez l'esprit critique.